c'est une fierté parce que mon but, en ayant choisi de jouer au Mexique, c'est que de faire connaître un peu les deux championnats. Parce qu'en Europe, le championnat mexicain n'est pas connu. Et au Mexique, à part avoir acheté les matchs pour voir Memo Ochoa, je pense qu'ils ne connaissent pas beaucoup aussi le foot français. Donc je suis fier, je suis content de pouvoir donner une belle image du Mexique à mon pays et une belle image du Mexique en France. Quand j'ai la chance de retourner en équipe de France, j'ai souvent beaucoup de questions du Mexique, du pays, pas que du football mexicain, du pays, de comment sont les gens. Et voilà, j'ai toujours la bonne parole parce que je le pense, mais je peux vous dire que j'ai été conquis par ce beau pays. Déjà, j'espère que ça ouvrira des portes à d'autres Français. Qu'il y ait d'autres Français, pas qu'au Tigre, hein, dans le championnat en général. Je sais que y a plusieurs ex-coéquipiers à moi ou collègues du football qui sont intéressés par venir au Mexique en termes de qualité de vie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai rencontré des gens serviable, aimable, respectueux. Je serais vraiment content que des Français s'impliquent dans le championnat mexicain, qu'il y ait des entraîneurs qui puissent venir aussi, et des étudiants, et on parle de la culture, et des étudiants qui viennent étudier. C'est vraiment cette perspective qui fait que j'ai choisi ce pays, c'est ouvrir des portes, comme j'allais être le premier Français à jouer au Mexique. Ouvrir les portes aux Français pour qu'ils connaissent ce championnat mexicain, ce pays, cette culture, cette langue et tout ce qui va avec, parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ma part. Comme on dit, c'est un orgullo para mí de ser como un nuevo mexicano, porque mi hijo nació aquí en Monterrey, bueno, ojalá en un año puedo tener también la nacionalidad mexicana. Será un orgullo porque estoy como en casa aquí, me siento muy bien, mi familia también, mi hija tiene 4 años, habla español hace como 6 meses que está en la escuela y habla muy bien español. Bueno, toda mi familia está feliz, contenta por eso. Ojalá me quedo muchos años acá en Monterrey, pero en México también. Muchas gracias.